Bon, ok, comme j'expliquais tantôt, ici, généralement, les personnes qui rentrent dans la boîte de cœur sont assez passifs. Ils préfèrent beaucoup cette position E, en général, une position un peu plus pesante. La position que je vais présenter aujourd'hui, ça va être un peu plus agressif. En fait, ici, vous allez, je me mets sur la pointe des pieds ici, j'essaie de fermer mes jambes, donc de fermer les jambes de mon adversaire ensemble. Et ici, lui, généralement, il va faire quelque chose, il va vous agripper, il va essayer de vous contrôler. Ici, je vais venir chercher les cuisses ici, ensemble. Tout ce que je vais faire, c'est contrôler ses jambes, sauter par-dessus ses cuisses. Donc, juste ici, comme ça, hop, on atterrit en position montée. Je vais prendre une position ici, grapevine. On va commencer une fois. Après, Raphaël va expliquer la version en anglais. Donc, même chose, je suis ici, je me mets sur le côté, je contrôle ses cuisses. Ici, peut-être la main sur la tête, j'ai une bonne force ici. Souvent, l'adversaire, tiré par en arrière, ça peut être un bon moment pour sauter. Comme je suis juste ici, je vais monter par-dessus. Donc, je suis ici, je suis monté, j'établis la position, les points. Je vais faire un résumé de ce qu'on a fait. Donc, toujours la même type de butterfly. Donc, je suis en haut ici. Donc, première chose, je vais chercher à travers les jambes. Et puis, je vais juste passer par-dessus ses genoux en poussant avec la main droite. Donc, hop. Fixe la position, prends les points.